다시 두 번째 시간에 여러분을 만나서 반갑습니다. Donc je suis ravie de vous rencontrer pour cette deuxième séance. 좀 쉬셨습니까? Est-ce que vous vous êtes reposé? 여기는 이제 아침 7시 반이 되었습니다. Alors il est 7h30. 밤을 꼬박 새웠습니다. Donc j'ai passé une nuit blanche. 여러분과 함께 이렇게 말씀을 나누기 위해서 밤을 세우니까 되게 굉장히 감사합니다. Et je suis tout de même très reconnaissante de pouvoir ne pas dormir parce que pour partager la parole avec vous. 함께 나눌 수 있어서 감사하시죠? Est-ce que vous aussi vous êtes content de pouvoir partager la parole ensemble? 감사합니다. Merci beaucoup. 자, 그러면 제가 첫 번째 시간에 창세기 15장으로 성막이 세워진 배경을 좀 설명하고 있었습니다. Alors à travers Genèse chapitre 15, j'étais en train d'expliquer le contexte du tabernacle. 그 부분을 계속 좀 이어나가도록 하겠습니다. Donc je continuerai à vous expliquer à partir de là où on était. 제가 이제 첫 번째 시간에 나누었던 말씀을 잠깐 요약해 보겠습니다. Alors, j'aimerais faire le résumé de la prédication de la première heure. 하나님은 메시아를 이 땅에 보내셔서 세상을 죄에서 구원하실 계획을 가지고 계셨습니다. Dieu, il avait le plan d'envoyer un Messie pour pouvoir sauver le monde. 그 뜻을 실행하시기 위하여 첫 번째에 메시아가 태어날 땅을 선택하셨습니다. Et afin de le réaliser, la première chose qu'il a fait, c'était de choisir la terre. 메시아가 태어나서 세상의 죄를 위해 죽어주시고 Le Messie est né et il est mort pour le monde. 그 소식이 온 세계로 전파되기 위해서 Et afin que cette nouvelle soit répandue dans le monde entier, 가장 소식을 빠르게 전파할 수 있는 위치를 선택하셔야만 하셨습니다. Dieu devait faire un choix géographique qui est la plus adaptée. 그 땅이 가나안 땅이었죠. Donc c'était la terre de Canaan. 그래서 에스겔서 38장 12절에는 세상 중앙에 있는 땅이라고 하셨습니다. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 38 verset 12 que c'était au milieu des nations. 그것도 끝까지 그 땅에 있을 거라고 말씀하셨습니다. Et il a dit de même que ses yeux portent toujours sur cette terre. 땅을 선택하시고 난 다음에 Et après avoir choisi cette terre, 이제는 메시아가 이 땅에 태어나기 위해서는 어떤 핏줄을 선택하셔야 되는 거예요. Alors, afin que le Messie soit né, il fallait choisir la famille, c'est-à-dire dans quelle famille et sur quelle lignée de sang est-ce que le Messie sera né. Donc, c'est Abraham qui l'avait choisi. Abraham을 가나안 땅으로 이제 이동하게 하셨어요. Et il a fait se déplacer jusqu'à Canaan. 이제 아브라함은 갈대아 우르란 땅에 살고 있었습니다. Alors qu'Abraham, il habitait à Galdéa, en Ur de Chadé. 하나님은 그 아브라함의 가족을 가나안 땅으로 이제 여행을 하게 하셨습니다. Et Dieu a fait de sorte que la famille d'Abraham se déplace jusqu'à Canaan. 중에 하란이라는 도시에 도착했을 때. Alors lorsqu'ils sont arrivés à Charan. 데라가 더 이상 진행을 하려고 하지 않았습니다. Terach, qui est le père de Abraham, ne voulait plus continuer. 그래서 데라가 죽게 하시고. Et donc Dieu l'a laissé mourir. 아브라함이 그 아버지가 가졌던 그 마음 원래의 마음대로 가나안으로 갈 마음을 가지게 되었습니다. Et c'est Abraham qui avait le cœur qu'avait son père à l'initial de se diriger jusqu'à Canaan. 이제 아브라함이 가나안 땅에 사는 동안에. Et pendant que Abraham habite à Canaan. 이제 하나님이 메시아를 보낼 계획도 세웠고 Dieu avait déjà fait le plan d'envoyer le Messie. 땅도 정하셨고 Il a choisi le terrain. 물론 그분이 태어나실 땅입니다. Bien sûr, c'est la terre sur laquelle il sera né. 그분이 태어나기 위해 필요한 이제 한 혈통, 가문도 선택하셨습니다. Et il avait également choisi la famille dans laquelle il sera né. 근데 이제 그냥 태어나게 할 수는 없잖아요. Mais il ne peut pas juste le faire naître. 하나님 이제 아브라함에게 그 하나님의 뜻을 보여주셨습니다. Alors Dieu a révélé sa volonté à Abraham. 아브라함에게 이 계획을 보여주신 것. Il lui a montré son plan. 근데 아브라함은 처음에는 이 하나님의 계획을 받아들일 마음의 준비가 되어 있지 않았습니다. En effet, au départ, Abraham n'était pas prêt à accepter le plan de Dieu. 그냥 내가 하나님의 말씀을 믿고 하나님을 섬겼으니까 복을 주시는 정도로 생각했습니다. Il se disait simplement que Dieu lui donnait la grâce parce qu'il a observé la parole de Dieu. 에게 아들을 주시겠다고 약속하셨습니다.
Alors Dieu lui a promis de lui donner un fils.아브라함은 사라라는 여자와 결혼한 상태였는데 Abraham était marié à Sarai. 성경에 그 사라는 젊었을 때부터 아기를 가질 수 없는 여자였다고 했습니다. Selon la Bible, Sarai était stérile depuis qu'elle était jeune. 아브라함이 하나님으로 말미암아 약속을 받을 때 75세였습니다. Lorsque Abraham il a reçu la promesse du Dieu, il avait 75 ans. Alors, à l'époque, Sarai avait 75 ans. 아브라함은 이제 하나님이 내년이나 곧 아들을 주실 것처럼 생각했습니다. Abraham pensait que Dieu allait lui donner un fils très rapidement, voire l'année d'après. 가나안 땅에서 1년, 2년, 3년 시간이 지나는데 Une année, 2 ans, 이게 전혀 변화가 없어. 3 ans, le temps passait, mais il n'y avait aucun changement chez Sarai. 그리고 사라는 이제 그 경수가 끊어졌어. Et Sarai ne voyait plus ses règles. 아브라함은 하나님의 말씀이 이루어져야 되는데 오히려 형편이 더안 좋아지는 걸 보고 절망하기 시작했어. Alors, au lieu que la parole soit accomplie, comme les situations s'empiraient de plus en plus, alors il était en désespoir. Jaim 부유해졌고 Mais pendant qu'il était en train de suivre la parole de Dieu, il s'est enrichi.물질적으로 큰 축복도 받았고 Il avait reçu beaucoup de bénédictions강해졌습니다. et il était fortifié.근데 이제 아브라함에게 필요한 것이 하나 있었는데 Et il y avait une chose qu'Abraham avait besoin.아무리 아브라함이 부유해지고 강해져도 Même s'il était fortifié,그것을 물려줄 자식이 없으면 아무 소용이 없지 않아. mais s'il n'a pas d'enfant à qui léguer, alors ça ne sert à rien. 아브라함이 약속을 받고 10년이라는 시간이 지났습니다. 10 ans après qu'il a reçu la promesse,이제 아브라함의 마음속에 많은 절망이 이제 일어난 거예요. il y avait beaucoup de désespoir dans son cœur. 근데 창세기 15장에 보면은 하나님이 아브라함에게 다시 나타나셨어요. Dans Genèse chapitre 15, Dieu apparaît à nouveau devant Abraham. 아브라함이 나타나시면서 뭐라고 하셨느냐 하면 Et quand il est revenu devant Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? 아브라함아 두려워하지 말아라. 너는 나는 너의 방패다. Il a dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier.그리고 나는 너에게 상을 주는 자다. Et je suis quelqu'un qui te récompense. 아브라함이 이 말을 듣고 이제 마음속에 불평이 올라왔어요. Abraham, après l'avoir entendu, il avait des plaintes. 하나님이 나의 방패시고 나에게 상을 주시는 자면 왜 내가 자식이 없습니까? Ah, si Dieu est mon bouclier et il est là pour moi, alors pourquoi est-ce que je n'ai pas d'enfant?않지 않으셨습니다. Alors que tu m'as dit que tu allais me donner d'enfant, mais tu ne me l'as pas encore donné. 이제 그 아브라함의 집에 다메섹에서 데려온 엘리에셀이라는 어린 종이 있었습니다. Alors, dans la maison d'Abraham, il y avait un Eliezek de Damas.하나님, Eliezer de Damas qui était chez lui. "나 제가 양자로 삼을 테니까 그냥 이 아들이나 축복해 주세요." Alors, il a dit à Dieu, alors Dieu, non, je vais prendre lui comme mon héritier, alors vous allez le bénir. 자기도 그렇고 자기 아내는 이제 아기를 가지기에는 이제는 가능성이 없어 보였어요. Alors pour Abraham ou pour Sarah, ils ont pensé qu'ils n'avaient pas de possibilité d'avoir d'enfant. "그 종이 네 자식이 될수 없고 네 아내 사라를 통해서 태어나는 자가 네 자식이 될 거야." Mais Dieu a dit non, ce n'est pas le serviteur qui va devenir ton fils, mais celui qui naîtra de toi-même et de Sarah. 내가 이렇게 나이 많고 늙었는데 이런 일이 가능할까? Et Abraham, il a pensé, mais je suis déjà vieux, est-ce qu'une telle chose pourrait être possible? 밤중에 밖으로 데려가셨습니다. Et en pleine nuit, Dieu l'a sorti. 이건 이제 창세기 15장 5절에 나오는 이야기예요. C'est ça dans Genèse chapitre 15, verset 5. 아브라함아, 저 밤하늘에 별들을 봐라. Et Dieu l'a conduit dehors et il a dit, regarde vers le ciel. 있으면 한번 헤아려 봐라. Et compte les étoiles si tu peux les compter. 아브라함은 자기 생애의 특별한 밤을 맞이했는데 Alors c'était une nuit si spéciale pour Abraham. 도저히 잠을 잘수 없는 밤이었습니다. C'était une nuit où il ne pouvait pas vraiment s'endormir. 인생을 살면서 몸은 피곤한데 잠을 이룰 수 없는 그런 밤을 몇 번이나 맞이해 보셨습니까? Dans votre vie, combien de fois vous avez connu des nuits où vous ne pouvez pas vraiment vous endormir alors que vous êtes fatigué?잠이 오지가 않았습니다. Abraham, il ne pouvait pas s'endormir.그 밤하늘의 별들을 보고 있었습니다. Il était en train de regarder les étoiles dans le ciel. 정말 많은 별들이 있습니다. Il y avait d'innombrables étoiles. 그 별들을 하나님이 저 별들을 네가 한번 헤아려 봐라. Et Dieu a dit de compter cette étoile. 아브라함이 그 별들을 헤아리려고 했습니다.
Abraham a voulu les compter. 그리고 좀 있다가 도저히 헤아릴 수 없다라는 걸 깨달았습니다. Quelque temps plus tard, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas le faire. 이쪽에 이제 한쪽부터 세기 시작하는 거죠. Et il a commencé à compter de d'un côté du ciel. 둘, 셋, 넷, 다섯. Il compte 1, 2, 3, 4, 5. 이러다 보면 Et alors qu'il comptait, 그 더 위에 또 별들이 또 있는 거. il découvre qu'il y a encore des ciels, il y a encore des étoiles en dessus. Et il commence à compter à nouveau. 하나, 둘, 셋, 넷. 1, 2, 3, 4. 이러다 보면 Et quand il compte comme ça, 오, 그 별들 뒤에 또 별들이 보이기 시작. Il y a encore des étoiles derrière ces étoiles. 아브라함은 점점 놀라고 있었어. Et c'est comme ça qu'Abraham était en train de s'étonner. 그날 밤처럼 밤하늘의 별들을 자세히 본 적이 없었습니다. Et il n'avait jamais regardé de près les étoiles avant. 하나님의 그 전능하심에 그 마음이 놀라고 있었어. Et Abraham était en train de s'étonner du travail puissant de Dieu. 하나님 말씀하셨어. Et là, Dieu a dit. 네 자손이 이와 같으리라. So, ta te sera ta postérité. 간단한 말씀 한마디지만 C'était une parole si simple. 굉장히 깊은 뜻이 있는 Mais qui a un sens très profond. 네 자손이 이와 같으리라. Tes enfants, te sera ta postérité. 아브라함은 내가 이 모든 걸 만들었어. Abraham, c'est moi qui ai fait tout cela. 아무것도 없는 곳에서 Alors qu'il n'y avait rien de tout. 내가 빛이 있으라니까 빛이 생겼고. Quand j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut. 있으라니까 생겼어. Et quand j'ai dit que les étoiles soient et les étoiles furent. 많은 별들. So, d'innombrables étoiles. 하나님이다. Je suis un tel Dieu. 내가 너에게 자식을 주겠다고 했다. Et c'est moi qui ai dit que je vous donnerai d'enfants. 네 자손이 이와 같으리라. Et tes enfants sera de même. 처음으로. Et là, pour la première fois, 자기의 생각을 버리고 하나님의 말씀을 믿게 되었어. Abraham a abandonné sa pensée pour croire à la parole de Dieu. 지금까지 아브라함은 하나님을 믿지만 자기 생각도 믿었습니다. Alors que jusque-là, Abraham croyait bien en Dieu, mais il croyait aussi dans sa pensée. 생각도 내 생각을 믿으면서 하나님을 믿으면. Mais lorsqu'on croit en Dieu en croyant à nos pensées aussi, 문제가 없어요. C'est qu'au départ, il n'y a pas de problème. 그래도 시간이 지나면. Pour y croire, mais après quelque temps, 말씀과 내 생각이 맞지 않는 어떤 그런 시간대가 옵니다. On se rend compte que la parole de Dieu et nos pensées ne vont pas ensemble. 말씀하시는 게 도저히 이해가 안 될 때가 있는 거죠. Il nous arrive de ne plus comprendre du tout ce que Dieu est en train de nous dire. 어떻게 그런 일이 가능하지? Ah, comment est-ce une telle chose est possible? 하나님의 말씀과 내 생각이 서로 부딪힐 때에 Et lorsque il y a un confrontement entre mes pensées et la parole de Dieu, Et que si je n'abandonne pas mes pensées, alors je ne peux pas croire en Dieu. Abraham은 자기를 믿었기 때문에. Puisqu'Abraham il a fait confiance en soi-même. 나이 들고 늙었어. Alors il se disait, moi je suis vieux. 아내도 늙었어. Ma femme est vieille. 내 아내는 젊었을 때부터 아기를 가질 수 없어. Ma femme ne pouvait pas avoir d'enfants depuis qu'elle était jeune. 그런데 어떻게 우리가 아기를 가진단 말이야? Mais comment est-ce possible d'avoir des enfants pour nous? 이건 말도 안 되는 거예요. Ça n'a pas de sens. 자기가 옳았습니다. Il avait raison. 그러나 그날 밤은 달랐습니다. Mais cette nuit-là, c'était différent. 아브라함에게 하나님의 전능하심을 보여주셨어요. Dieu a montré à Abraham comment il était puissant. 그리고 그 전능한 하나님이 내가 너에게 자식을 주겠다 하셨어요. Et ce Dieu tout puissant a dit qu'il allait donner un enfant. 근데 우리가 이제 창세기 12장부터 하나님이 아브라함에게 자식을 준다고 말씀하신 부분이 계속 반복되는데 Et on voit comment ce passage se répète lorsque Dieu dit qu'il lui donnera un enfant depuis Genèse chapitre 12 c'est qu'il a dit plusieurs fois à Abraham 근데 한 번도 내가 너에게 자식들을 주겠다 하고 복수로 말씀하신 적이 없습니다. Mais jamais Dieu l'a dit je donnerai des postérités en pluriel. 너에게 자식을 주겠다 단수로 말씀. Il a toujours dit en singulier que je te donnerai une postérité. 그 자식으로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라. Et à travers cet enfant, toute la nation sera bénie. 아브라함은 처음에 그냥 아들인 줄 알았는데
Abraham, au départ, il a pensé que c'était juste un fils quelconque.말씀하시는 걸 들으면서 Mais en écoutant Dieu qui continuellement parlait, 하나님이 메시아가 이 땅에 태어나는 그 예언을 이루기 위하여 자기의 핏줄을 선택했다는 사실을 깨닫게 되었습니다. c'est qu'il se rend compte que Dieu a choisi sa famille pour pouvoir donner la naissance au Messie. 나의 핏줄을 통해서 천하 만민을 복을 받게 하는 그 구세주를 보낼 거라는 사실을 깨닫게 된 것입니다. C'est qu'il s'est rendu compte que Dieu, il a choisi son sang pour pouvoir donner naissance au Messie. Ah oui, cette parole, c'est quelque chose qui sera accompli. 하나님이 우리 조상 아담과 하와에게 이미 보여주신 약속이었어요. C'est la promesse que Dieu a déjà montrée à Adam et Ève, nos ...를 ancêtres. 선택하신 것이구나. Et Dieu, il m'a choisi. 그러면 이 말씀 반드시 이루어진다. Alors cette parole, elle sera accomplie. 하나님을 믿었습니다. Et il a cru en Dieu. 하나님이 그 메시아를 이 땅에 보내주셔서 Parce que Dieu a envoyé le Messie sur la terre. 세상을 죄에서 구원해주시고 Pour sauver le monde du péché. 천하 만민을 축복하실 사실을 믿었습니다. Et il a cru que Dieu, qu'il sauvera le monde entier. 아브라함의 의로 여기셨습니다. C'est cette foi qui lui était imputée à justice. 자, 이제 아브라함이 드디어 메시아가 이 세상에 태어난 일에 쓰임받을 모든 준비가 갖추어졌습니다. Et finalement, avec Abraham, et toutes les conditions pour la naissance du Messie a été préparée. No. 세상에 구원할 계획을 하나님 가지고 계셨죠. Tout d'abord, Dieu, il avait le plan de faire naître le Messie sur la terre, n'est-ce pas? 계획이 이루어지기 위해서는 필요한 조건들이 있습니다. Alors, afin que ce soit accompli, il y a des conditions nécessaires. 첫 번째는 그 메시아가 탄생해야 될 땅입니다. La première, c'est la terre à laquelle ce Messie doit그 naître. 땅을 정하셨습니다. et Dieu l'a choisi. 세상 중앙에 있는 가나안이라는 땅이었습니다. C'était une terre qui s'appelait Canaan, qui était au milieu des그래서 nations. 지질학적으로 굉장히 중요한 위치에 있습니다. Et qui se trouvait dans une localisation très importante géographiquement. Elle était à la fin de l'Asie, mais qui était proche d'Europe. 아프리카 앞에 있습니다. et aussi devant l'Afrique. 그러니까 여기에 메시아가 태어나신다면 Si le Messie naît dans cette ville, 그 소식을 온 세상에 전파하기에 가장 효과적인 위치였습니다. alors c'était le meilleur emplacement pour pouvoir faire parler de la bonne nouvelle dans le monde entier. 그 메시아가 태어날 핏줄을 선택하는 것이었습니다. En second, c'était de choisir la postérité 노아의 후손 중에서 de Messie parmi les descendants de Noé. 하나님을 섬기는 한 핏줄을 선택하셨고 Il a choisi une postérité qui sert à Dieu. C'était Abraham. 두 번째 조건이 갖춰졌죠. La deuxième condition est faite, n'est-ce pas? 두 번째 조건은 Une troisième condition, 아브라함에게 하나님의 뜻을 가르쳐 주시는 것이요. c'était de lui apprendre sa volonté. 그러기 위해서는 아브라함을 먼저 구원하셔야 되는 Et pour cela, il devait d'abord sauver Abraham. 하나님은 아브라함에게 복음을 가르쳐 주셨습니다. Et donc Dieu lui a dit, montré la bonne nouvelle. 3장 16절을 보겠습니다. Nous allons voir Galates chapitre 3, verset 16. 그냥 제가 설명하는 것보다 여러분이 한번 같이 보시면 참 좋을 것 같습니다. Donc, plutôt que j'explique tout simplement, ce serait bien qu'on cherche les versets bibliques ensemble et que vous vérifiez. Galates chapitre 3, verset 16.읽어주세요. On va lire. Or, les promesses ont été faites à Abraham, à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. 아브라함과 그 자손들에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손이라 하지 아니하시고 되어 있습니다. Il dit, Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. 오직 하나를 가르쳐 내 자손이라 하셨으니. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, 근데 이삭이 아니고 mais ce n'est pas Isaac,그리스도라고요. c'est à Christ. 하나님은 아브라함에게 그리스도가 아브라함의 피에서 태어날 것을 가르쳐 C'est que주셨습니다. Dieu a montré à Abraham que le Christ sera né de son sang. 이것은 하나님이 아브라함에게 복음을 가르쳐 주신 거예요. C'est que Dieu a montré à Abraham la bonne nouvelle. 갈라디아서 3장 8절을 보겠습니다. Nous allons voir Galates chapitre 3, verset 8.
Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. 지금 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 하고 되어 있습니다. Il a dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. 하나님이 모든 민족, 이스라엘 민족의 모든 이방을 믿음으로 의롭게 하실 계획을 세우셨습니다. C'est que Dieu avait le plan de justifier toutes les nations par la foi. 그 사실을 먼저 아브라함에게 가르쳐 주신 것입니다. Et c'est ce qu'il a d'abord annoncé à Abraham. 자, 그러면 아브라함이 믿음으로 의로워졌을 때 Alors lorsque Abraham est justifié par la foi, 또 사실은 이방인과 같은 위치에 있었어요. Et Abraham de même à l'époque, il était dans la même position que les païens. 그때는 이스라엘 민족이라는 개념이 존재하지 않았어요. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce concept des Israélites. 아브라함의 아들이 이삭이고 Son fils c'est Israël. 이삭의 아들이 야곱이고 Et le fils de Isaac c'est Jacob. Et lorsque Jacob il a 이름을 야곱이라 하지 말고 Lorsque il a pris de l'âge, il a changé de nom et il s'est nommé Israël. Et non Jacob. 아들이 있었는데 Jacob avait 12 fils. 이스라엘이 열두 지파가 되었죠. Ce qui fait les 12 tribus d'Israël. 개념이 그때 탄생하는 거예요. Et c'est là que ce concept d'Israélite est né. 그런데 아브라함 때는 이스라엘이라는 그 개념이 없었어요. Alors au temps d'Abraham, il n'y avait pas vraiment ce concept d'Israélite. 믿음으로 의로워졌을 때 Lorsque Abraham il est devenu juste par la foi, 아니었고, il n'était pas un Israélite. Aram 사람이었고, il était de Syrie. 그는 믿음으로 의로워졌고, et il a été justifié par la foi. 믿음으로 의로워진 것을 몸에 할례라는 표시로 남겼습니다. Et parce qu'il a été justifié par la foi, c'est ce qu'il a marqué sur son corps par la circoncision. 그러니까 믿음으로 의로워진 게 먼저. Alors, qu'est-ce qui vient en avant? Est-ce que c'est la circoncision ou c'est croire par la foi? C'est devenir juste par la foi qui vient en avant. Et c'est ce qu'il a laissé comme une marque sur son corps, c'est ce qui est la circoncision. Alors ici, il y a une chose que nous devons penser. C'est que même si nous sommes circoncis comme Abraham, 아브라함이 믿었던 그 복음에 대한 믿음이 없다면 Si nous n'avons pas la foi en l'évangile qu'Abraham a cru, 의미가 없는 것입니다. Cette circoncision ne sert pas à grand-chose. 하나님이 선지자들을 보내셔서 C'est pour cela que Dieu il a envoyé les prophètes 책망하셨어요. Et il les a reprochés. 예레미야 같은 선지자는 Les prophètes comme Jérémie 할례는 몸의 가죽에다가 하는 게 아니고 마음의 가죽에 하는 것이다. Qui a dit que la circoncision ce n'est pas pour la peau de la chair, mais la peau du cœur. Mais vous avez reçu la circoncision sur la chair. 마음으로 할례를 받지 못했다. Mais vous n'avez pas pu recevoir la circoncision sur votre cœur. 백성들이라고 책망했습니다. Et il les a reprochés en disant que vous n'êtes pas circoncis. 아브라함이 믿음으로 의로워졌어요. Abraham, il a été justifié par la foi. 하나님이 이삭이 태어나기 전에 이제 그 믿음을 몸에 새기기 위해서 할례라는 것을 하게 했습니다. Avant la naissance de Isaac, pour pouvoir marquer la foi sur sa chair, il a dit de faire la circoncision. 남자 아기의 그 빈육이 끝에 남는 가죽을 떼어내는 것입니다. Donc la circoncision, c'est de couper une partie de peau sur. 근데 아브라함은 나이가 든 사람인데 할례를 받아야 했습니다. Sur la parigénie de l'homme et Abraham était une personne qui était déjà âgée, mais il devait être circoncis. 그때는 마취약도 없었어요. Alors qu'il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque. 지금같이 좋은 칼도 없었어요. On n'avait pas un bon couteau à l'époque non plus comme aujourd'hui. 부싯돌 칼, 돌로 만든 칼이 있었어요. Mais c'était un couteau qui était fait en pierre. 하나님이 아브라함과 아브라함의 집에 있는 모든 남자에게 할례를 받게 하셨습니다. Alors Dieu a fait de sorte que Abraham ainsi que tous les hommes soient circoncis. Alors à quel point il a été souffrant. 잊을 수 없는 평생 잊을 수 없는 기억이 되셨어요. Et jusqu'à ce que la plaie soit guérie, c'est une mémoire inoubliable. Alors lorsque sa plaie était recouverte, Sarah와 동침할 때, et lorsqu'il couche avec sa femme,
제일 먼저 보게 되는 것이 자기의 몸입니다. La première chose qu'il voit, c'est sa chair. 아브라함이 자기 몸을 볼 때, lorsqu'Abraham voit sa chair, 할례를 받은 것을 기억하게 됩니다. Et il se rappelle qu'il a été circoncis. 그 할례를 받은 것을 자기 받은 자기 몸을 볼 때, lorsqu'il voit son corps qui est circoncis, 고통스러웠던 순간이 생각났을 겁니다. Et il devrait se rappeler de cette douleur. 생각났을 때에. Et lorsqu'il se rappelle de sa souffrance, 이미 할례를 왜 받게 하시는지를 기억하게 되었습니다. Et il devait aussi se rappeler pourquoi est-ce que Dieu lui a donné cette circoncision. 필요 없는 가죽을 베어내게 하셨죠. Il a fait couper cette peau qui n'était pas nécessaire. 하나님의 마음속에 필요 없는 자기를 믿는 마음을 하나님은 잘라내 버리게 했습니다. Et Dieu a fait de couper et jeter le cœur qui n'était pas nécessaire dans le cœur d'Abraham. 약속을 믿게 해 주셨어요. Pour ne pas faire confiance en soi-même et croire en Dieu. 아브라함은 할례 받은 자기의 몸을 볼 때마다 그렇지 내 생각은 틀렸어. 하나님 말씀이 맞아. 그 말씀은 이루어질 거야. 약속을 기억했어. Abraham, à chaque fois qu'il voyait son corps circoncis, il se disait « Oui, c'est vrai, il y a la promesse de Dieu, c'est la promesse qui sera accomplie. » Alors, qu'est-ce qui vient en premier ? Hallelujah. Est-ce la foi d'abord ou la circoncision ? 믿음입니다. C'est la foi. 아브라함이 가졌던 믿음을 이해하지 못하고 몸에 받는 할례는 être circoncis sans comprendre la foi d'Abraham. 이것은 전통적인 할례이지 아브라함이 받았던 그런 할례는 아닌 것. Ceci est simplement la circoncision traditionnelle, mais ce n'est pas la circoncision d'Abraham. 아브라함이 할례를 받았을 때 율법이 세상에 존재했습니까? Lorsque Abraham il était circoncis, est-ce qu'il y avait la loi sur la terre? 네, 내려오는 겁니다. La loi n'est arrivée qu'au temps de Moïse. 430년 후에. 430 ans plus tard. Alors nous allons essayer de comprendre cela. 할례가 먼저입니까? 율법이 먼저입니까? Qu'est-ce qui vient en avant? Est-ce la circoncision? 할례가 먼저였습니다. Ou la loi? 할례가 먼저입니까? 믿음이 먼저입니까? C'était la circoncision d'abord. Alors est-ce que c'est la circoncision qui vient en avant ou la foi en avant? C'est la foi en avant. 믿음을 가지지 못하고. Alors si on n'a pas la foi d'Abraham. 몸에 할례를 받고 mais qu'on est circoncis 율법을 받는다면 et qu'on reçoit la loi 그것이 무슨 의미가 있겠습니까? À quoi cela servirait? 그래서 하나님은 성경에서 할례는 마음에 받는 거야. C'est pour cela que dans la Bible Dieu a dit que la circoncision est pour le cœur. 믿음으로 의로워졌을 때 아브라함은 이방인과 같은 조건 속에 있었습니다. Lorsque Abraham il a été imputé à justice, c'est que les païens et il a été circoncis. Après quelque temps, ils ont reçu la loi. 그럼 하나님 무엇을 우리에게 가르쳐 주려 하십니까? Alors qu'est-ce que Dieu il voulait nous apprendre? 할례도 없고 율법도 없는 이방인이나. Que nous sommes des païens qui n'ont même pas la circoncision, qui n'ont même pas la loi. 다 예수 그리스도를 믿음으로 의로워지게 하시려고 하셨던 것입니다. Mais ce qu'il a voulu, c'est que tous puissent être justifiés par la foi en Jésus-Christ. 갈라디아 3장 8절은 C'est pour cela que dans Galates chapitre 3 verset 8 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. 아브라함에게 복음을 전했다고 했습니다. À d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. 모든 민족이 너로 인해서 복을 받을 거야. Toutes les nations seront bénies par toi. 너의 자식 메시아를 통해서도 구원받지만. Ils vont recevoir le salut par le Messie de ta postérité. Mais toutes les nations seront bénies en toi. 할례가 없고 율법이 없는 이방인들은 Et les païens qui n'ont ni circoncision ni la loi. 아브라함이 아람 사람이었고 할례도 받지 못했고 율법도 없었지만 믿음으로 의로워졌던 것을 보면서. En voyant que Abraham qui n'avait ni circoncision ni la loi, mais qui est imputé à justice. 같은 방법으로 예수 그리스도를 믿음으로 구원받아 하나님 자녀가 되고. Et en croyant de la même manière en Dieu, ils deviennent enfants de Dieu. 아브라함의 몸에서 태어난 유대인들은. Mais les Juifs qui sont nés d'Abraham, 아브라함이 할례를 받기 전에 율법을 받기 전에 믿음으로 의로워진 것을 보면서,
En voyant comment Abraham il est, il lui a imputé la justice avant la circoncision et avant la loi.의로워지게 하려 하셨던 것이었던 것입니다. Il voulait leur permettre de devenir juste. 이것이 하나님의 계획입니다. C'était ça le plan de Dieu. 자, 그러면 다시 우리가 갈라디아서까지 했고요. 이제 Alors nous avons vu jusqu'à Galate. 다음 그림을 보겠습니다. Alors nous allons voir l'image suivante. 여기 아브라함이 이제 꿈을 꾸는 이야기가 나와요. Alors ici on voit que Abraham il fait un songe. 굉장히 중요한데. Et c'est un songe très important. 창세기 우리가 15장을 보겠습니다. Nous allons voir Genèse chapitre 15. 이것은 아브라함이 이제 믿음으로 의로워지고 난 다음에 일어난 일이에요. Donc c'est quelque chose qui s'est passé après que Abraham est devenu juste. 아브라함에게 이제 이스라엘 민족에게 일어날 일들을 가르쳐 주셨어요. Alors Abraham, Dieu apprend à Abraham ce qui va arriver chez les Israélites. 이제 후손들에게 일어날 일을 가르쳐 주셨어요. Il lui a montré qu'est-ce qui va se passer aux descendants d'Abraham. 15장 12절. Genèse chapitre 15 verset 12. 해질 때 아브라함이 깊이 잠든 중에 캄캄함을 임함으로 심히 두려워하더니. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent à sa vue. Abraham의 생애 밤을 몇 번 경험했죠? Alors dans la vie d'Abraham, il a connu combien de nuits? 많은 밤을 경험했는데. D'innombrables fois. 12절에는 캄캄함이 오는데 아브라함이 두려워하는 이야기가 나옵니다. Ici au verset 12, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. 아브라함이 두려워하는 것입니다. Vous voyez comment Abraham il a peur. 아브라함이 왜 두려워하죠? Mais pourquoi est-ce qu'il a peur? 아브라함이 밤을 몇 번이나 맞은? Alors qu'il a passé combien de nuits jusqu'à ce jour-là? 이렇게 두려워합니다. Mais pourquoi est-ce qu'il a si peur? 이 캄캄함은 그냥 밤이 되어서 어두워졌던 그 캄캄함이 아닙니다. Parce que cette obscurité, ce n'était pas une simple obscurité de la nuit. 이미 그 어둠 속에서 나타나셨어. Mais c'est que Dieu est apparu dans les ténèbres. 13절을 보겠습니다. Nous allons voir le verset 13. 아브라함아, 아브라함이 이르시되 너는 정령이 알라 네 자손이 이방에서 계기 되어 그들을 섬기겠고 그들을 400년 동안 내 자손을 괴롭게 하리라. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils les seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Abraham n'avait aucun enfant à l'époque. 근데 하나님은 네 자손들이 다른 나라로 가게 될 거다. 거기에서 400년 동안 살게 될 거다 하는 것을 가르쳐 주셨어. Mais Dieu lui faisait savoir que ses descendants seront étrangers dans un pays et qu'ils serviront pendant 400 ans. Qui vont subir beaucoup de souffrances. 14절. Verset 14. 그 섬기는 나라를 내가 징치할지며 그 위에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. Mais je jugerai la nation à laquelle ils sont asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 그 땅에서 400년쯤 이제 지나면. Environ 400 ans plus tard. 내가 누군가를 보내어서 그 땅을 심판할 거야. C'est qu'il enverra quelqu'un sur la terre pour pouvoir les juger. 이 땅으로 돌아오게 하겠다. Et qu'il les ferait revenir à cette terre. 16절. Verset 16. 내 자손은 사대만의 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리 족속의 지약이 아직 간영치 아니함이니라 하시더니. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. 하나님이 아브라함의 그 자손들을 다른 땅에 보내서 400년을 보내게 하는 두 가지 이유를 설명했습니다. Et Dieu a expliqué deux raisons pour lesquelles il doit envoyer les enfants d'Israël ailleurs. 가나안 땅은 비가 잘 오지 아니하고. D'abord, au pays de Canaan, il n'y a pas beaucoup de pluie. 산과 골짜기 아주 척박한 땅입니다. Et c'était une terre très méchante qui absorbe de l'eau à chaque fois qu'il pleuve. 만약에 아브라함의 자손들이 가나안 땅에 계속 있게 된다면 Si les enfants d'Israël continuent à rester à Canaan 한 400년 만에 한 가정이 한 민족으로 변하는 일이 불가능할지도 모릅니다. Donc certainement ce serait peut-être pas possible que une famille devienne un
une grande nation. 하나님은 아브라함의 가족을 이집트로 내려가게 하셨어. Mais Dieu a fait descendre la famille d'Abraham vers l'Égypte. 왕이 이집트에서 제일 좋은 땅을 아브라함의 자손들에게 주었어. Et le roi d'Égypte a donné la meilleure terre d'Égypte à la famille d'Abraham. 산이라는 그 이집트의 나일강이라는 삼각주에 너무너무 좋은 곳이었어. C'était une terre qui s'appelait Goshen qui était dans le delta de Nil. 400년을 지내면서 엄청나게 많이 번성하게 할 계획을 가지고 계셨어. Et Dieu avait le plan de les faire habiter là pendant 400 ans et les grandir. C'est qu'une famille devient une nation. 400 ans plus tard. 창세기 끝에 보면은 아브라함의 가족이 이집트로 내려갈 요셉 때 내려갈 때에 남자 수가 70여 명쯤 됐어요. Lorsque dans Genèse lorsque la famille de Jacob est descendue. 근데 400여 년쯤 지나고 난 다음에 descendu en Égypte, ils étaient environ 70. Mais lorsque 400 ans plus tard avec Josué, ils sont revenus à Canaan. 좀 되었습니다. Ils étaient environ 600 000 personnes. 좀으로 바뀌었습니다. C'est-à-dire que 70 personnes sont devenues 600 000 personnes. 얘기였습니다. C'était ça le plan de Dieu. 아브라함의 자손을 한 가정에서 한 민족으로 바꾸는 거였습니다. C'est que Dieu a transformé une famille en une nation. 두 번째 이유는 une deuxième raison. 가나안 땅에는 이방 신들을 섬기는 일곱 개의 이방 민족이 살고 있었어요. C'est que dans la terre de Canaan, il y avait sept différentes tribus qui étaient en train de servir d'autres dieux. Alors jusqu'à ce que Abraham 자신을 나는 나그네요, 계기요, 여행자라고 자기를 소개해. Et Abraham, il s'est toujours présenté comme s'il est un voyageur et qu'il est étranger. C'est que Dieu n'avait pas donné cette terre à Abraham. Abraham의 후손들에게 주셨어. Mais qu'il avait donné aux descendants d'Abraham. Abraham은 그 땅을 약속으로 받았지만. Abraham, bien qu'il ait reçu par la promesse. 나그네로서 살지 못했고 나그네로서 살았어. Mais il n'a pas pu vivre comme un propriétaire, mais comme un voyageur. 땅에는 이미 땅 원 주인들이 있었기 때문에. Parce que la terre avait déjà des propriétaires. 그들은 여러 가지 귀신을 섬기는 민족이었어. Mais c'était des peuples qui servaient des idoles. 그러면 그 땅에 이제 메시아가 오기 위해서는. Afin qu'il y ait le Messie qui arrive sur la terre. 왕국이 만들어져야 되는 거예요. Il faut que le royaume de Dieu soit formé. 그리고 하나님의 성전을 지어야 되는 거예요. Et il fallait aussi construire le temple de Dieu. 하나님의 그 일곱 민족과 전쟁을 치러야 돼요. Pour ce faire, il fallait faire la guerre contre les sept tribus de Canaan. 전쟁을 치루어서 그 일곱 민족을 정벌해야 되는 겁니다. À travers la guerre, il devait conquérir les sept tribus. 이제 아브라함이 자기 가족 한 300명쯤하고 그 전쟁을 도저히 할 수가 없었습니다. Mais Abraham ne pouvait pas faire la guerre avec 300 hommes de sa famille contre eux. 내려가게 하시고. C'est pour cela que Dieu les a permis de descendre en Égypte. 400년쯤 지나고 난다. Et 400 ans plus tard, the land of Egypt, 큰 민족이 되어서 돌아오게 하고. Ils sont devenus une grande nation pour revenir. 그 가나안 땅을 이제 전쟁을 통해서 다 정벌하고. Et qu'à travers les guerres, il a conquis toute la terre de Canaan. 국을 세우기를 원하셨어. Et Dieu a voulu qu'il fonde un royaume qui sert à Dieu. 하나님의 계획이에요. C'était ça le plan de Dieu. 그래서 이제 여러분이 그 아브라함의 증손자 요셉이 그 형님들에게 팔려서 이집트로 가게 되는 거예요. Et donc Joseph, qui est le grand-fils d'Abraham, il a été vendu par ses frères et il est allé en Égypte. 하나님의 계획이 이루어지는 과정이었다라. Et tout cela c'était dans les étapes de l'accomplissement du travail de Dieu. 이해할 때 믿을 수 있습니다. Croire en Dieu, ce n'est possible que lorsque nous comprenons exactement les plans de Dieu. 그러면 이제 여기서 이제 우리가 좀 생각해봐야 될 것이 있는. Alors il y a des choses que nous devons essayer de penser. 창세기 23장에 보면 Dans Genèse chapitre 23 아브라함에게 이삭이라는 아들이 태어났어요. D'Abraham naît le fils Isaac. 한 13살, 14살 청소년이 됐을 Et lorsque Isaac avait 12 ans, 13 ans
하나님이 이제 어느 날 아브라함에게 아브라함아 네 아들 이삭을 네 아들 이삭을 모리아 산에 가서 나에게 번제로 바치라고 이야기했습니다. Alors là Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils sur le mont Morija. Et c'est quelque chose qu'on voit dans Genèse chapitre 23. 3일 밤 3일 낮을 걸어서 그 모리아 산 밑에 도착을 하게 됩니다. Alors il marche pendant 3 jours de jour et nuit et il arrive à Morija et il demande à ses serviteurs qui restent là. 나하고 내 아들 이삭이 이 산에 올라가서 여호와께 예배를 드리리라. Moi et mon fils, nous allons y monter pour faire offrande à Dieu. 근데 아브라함이 뭐라고 하느냐면 Mais là, Abraham, qu'est-ce qu'il dit? 우리가 이 산에 올라가서 여호와께 예배를 드리고 우리가 내려오리라고 이야기했습니다. Nous allons monter pour faire le culte à Dieu et nous allons descendre. 이 산에 왜 올라가죠? Alors pourquoi est-ce que Abraham il est monté? Raya? 자기 아들 이삭을 죽이러 올라갑니다. Il monte pour pouvoir tuer son fils. 근데 아브라함이 그 밑에 있는 종들에게 뭐라고 이야기합니까? Mais qu'est-ce qu'Abraham il dit à ses serviteurs? 우리가 이 산에 올라가서. Nous irons jusque là. 거기서 말은 우리는 아브라함과 그 아들 이삭입니다. Ici nous c'est Abraham lui-même et Isaac. 여호와께 제사를 드리리라. Et il a dit pour adorer. 그리고 우리가 돌아오리라. Et nous reviendrons auprès de vous. 아브라함은 모리아 산에 자기 아들을 죽이러 올라가고 있지만 Alors que Abraham il était en train de d'y monter pour pouvoir tuer son fils. 그 아들과 함께 내려오게 될 거라는 사실을 믿고 있었습니다. Mais lui il savait exactement que il allait revenir avec son fils. 성경을 주제로 만든 영화들을 가끔씩 봤는데 Je regarde de temps en temps des films qui sont sur des thèmes bibliques. 아브라함이 이제 막 그 모리아 산에 올라가기 전에 막 눈물을 흘리고 하나님 어째 왜 저에게 제 아들을 죽이라 합니까 하고 막 고통받는 그런 장면이 나왔습니다. Donc j'ai vu dans un film une scène où Abraham il pleure en disant que mais Dieu pourquoi est-ce que tu me dis de tuer mon fils? 보면서 저 감독은 성경을 안 읽었구나. Et en regardant ce film, je me suis dit que non, ce producteur n'a pas lu la Bible. Abraham il n'a pas souffert. 아브라함은 원망하지 않았어. Il ne s'était pas plaint. 아브라함은 하나님이 이삭을 지켜줄 것을 분명히 믿었어. Parce que Abraham croyait que Dieu allait protéger son fils. 이삭이 죽게 될지라도 다시 살릴 것을 믿었어. Et il avait cru en Dieu que même si Isaac meurt, Dieu allait le ressusciter. 이삭의 핏줄 속에서 메시아가 와야 되겠다. Parce que le Messie devait venir de la lignée de Isaac. 우리에게 하는 메시아는 이삭이 아닙니다. Parce que ce n'est pas Isaac qui était le Messie qui allait bénir toutes les nations. 핏줄 속에서 와야 되겠다. Mais puisqu'il devait venir de la postérité d'Isaac, 영이 다시 살아날 것을 믿었어. Alors il croyait qu'il allait revivre. 그 아들 이삭과 함께 모리아 산으로 올라가면서. Et donc lorsque Abraham il est monté sur le mont Morija avec son fils. 아브라함의 한쪽 손에 횃불이 있었어, 횃불. Et d'une main il avait le feu. 그리고 한쪽에는 칼을 차고 있었습니다. Et de l'autre main il avait le couteau. 이삭은 자기 등에 이제 제사에 쓸 장작을 등에 짊어지고 올라가고 있어. Et Isaac lui il avait porté le bois pour utiliser pour l'holocauste. Et Isaac qui montait à la montagne. 좀 이상한 느낌이 들기 시작했어. Il a senti quelque chose de bizarre. 아버지. Mon père. 우리가 지금 저 모리아 산 꼭대기에 여호와께 제사를 드리러 가는 거 아닙니까? Nous ne sommes pas en train d'aller pour faire les offrandes à Dieu sur le mont de Morija. Oui, c'est ça. 이 불도 있고 칼도 있고. Voici le feu et le bois. 장작도 있는데. Nous avons aussi le couteau. 어린 양은 어디에 있죠? Mais où est l'agneau pour l'holocauste? 이삭이 한 가지 사실을 깨달은 겁니다. C'est ce que Isaac il a compris. 불도 있고 칼도 있고 장작도 있는데. Il y a le feu, le bois et le couteau. 제물로 쓸 어린 양은 어디에 있지? Mais où est l'agneau pour l'holocauste? 그때 아브라함이 뭐라고 했는지 아십니까?
Et vous savez là qu'est-ce qu'Abraham il a dit? Yohova Ireh라고 했습니다. Il a dit Jéhovah j'irai. Ireh. J'irai. Qu'est-ce que cela veut dire? 준비된다는 뜻입니다. Ça veut dire préparer. 여호와의 산에서 준비되리라. C'est que à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. 아브라함은 무엇이 준비되는 걸 보았습니까? Abraham, qu'est-ce qu'il a vu être pourvu? 자기 아들 이삭을 살릴 구원이 그 산 위에 준비되어 있는 것을 보았습니다. Il a vu que le salut de son fils était préparé à la montagne. 아들 이삭은 절대로 죽을 수 없어. Ah, mon fils Isaac, il ne peut jamais mourir. 죽어도 다시 살아나. Même s'il meurt, il sera ressuscité. 왜냐하면 이 핏줄에서 메시아가 오신다고 했죠. Parce qu'il a dit que Messie serait né de la postérité d'Isaac. 스톱을 해야 됩니다. Donc ici, on devrait s'arrêter un peu. 이 그림은 아브라함이 자기의 독생자 이삭과 함께 모리아 산 꼭대기로 올라오고 있는 이 그림을 한번 생각해 보십시오. Alors imaginons cette image où Abraham il est en train de monter sur la montagne avec son fils pour faire les offrandes. Le père et son fils unique. 산 꼭대기로 올라갑니다. Il monte à la montagne. 아버지가 그 아들을 왜 그 산 위로 데리고 가고 있죠? Et pourquoi est-ce que le père mène son fils à la montagne? Pour pouvoir le tuer à la montagne. 아브라함이 집에서 이 산까지 며칠을 걸어왔죠? Et Abraham, il a marché combien de jours jusqu'à la montagne? 3일 밤, 3일 낮, 3일 밤. 3 jours, un jour et une nuit. 아브라함이 그 산 꼭대기에 도착했을 때. Et lorsque Abraham, il est arrivé à la montagne, 큰 바위가 하나 있었어. Il y avait une grande roche. 그 바위에 장작을 깔고. Et c'est là où il a mis le bois. Rock. 그 이삭, 아들 이삭을 칼로 죽이려고 했습니다. Et il voulait poignarder son fils. 하나님이 아브라함아 아브라함아 내가 네 믿음을 비었다 봤다 잠깐만 멈춰라. Alors là Dieu il dit Abraham Abraham j'ai vu ta foi. 눈을 들어보니까 수양 한 마리가 수풀에 걸려 있었어. Alors là Abraham il a levé les yeux et il a vu derrière lui un bélier. 그래서 이삭 대신에 수양이 죽어졌어. Alors à la place d'Isaac il y a un bélier qui est mort. 자 이것은 무엇을 의미합니까? Alors qu'est-ce que cela veut dire? 이것이 예수님이 십자가 갈보리 산이 올라갔던 것과 비슷하지 않습니까? N'est-ce pas ceci ressemblant à Jésus-Christ qui était sur le calvaire? 이삭은 등에 장작을 짊어지고 올라갔어요. Jésus-Christ, Isaac il a porté le bois sur son dos. Il est le fils unique d'Abraham. 독생자이신 예수님. Jésus-Christ qui est le fils unique de Dieu. 십자가를 등에 메고 산으로 올라가셨어요. Il a porté la croix sur son dos et il est monté. 왜 산 위로 올라갔죠? Mais pourquoi est-ce qu'il est monté à la montagne? 십자가에 못 박혀 죽기 천하에게 제사로 드려지기 위해서. Afin d'être crucifié, afin d'être offert à Dieu. 예수님 며칠 동안 죽어 계셨죠? Jésus-Christ, il est resté combien de jours mort? 3일 밤입니다. 3 jours et 3 nuits. 아브라함과 이삭이 며칠 동안 걸어서 이 산에 왔죠? Abraham et Isaac, ils ont marché combien de jours pour y arriver? 3일 낮, 3일 밤입니다. 3 jours et 3 nuits. 결국 예수님은 하나님 아버지가 독생자인 자기의 아들을 갈보리 산 위에서 죽이신 겁니다. Finalement, c'est Dieu qui a tué son fils unique Jésus-Christ sur la croix. 그리고 3일 만에 부활하셨죠. Et puis il est ressuscité 3 jours plus tard. 이삭은 독생자고 Isaac, il est le fils unique. 이삭의 아버지 아브라함이 자기 아들을 데리고 이 산 위로 올라가고 있어. Et le père d'Isaac, Abraham, l'accompagne à la montagne. 그리고 말하기를 Et puis il dit 여호와의 산에서 준비되리라 했습니다. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. 이것은 예언적인 이야기. Ça, c'est quelque chose prophétique. Abraham은 멀리서 바라보았습니다. Et Abraham, il a regardé de loin. 이 산 위에서 메시아가 세상의 죄를 위하여 죽어주게 되시겠구나. Sur cette montagne, le Messie va mourir pour le péché du monde. 우리가 죽어야 되는데. Alors que c'est nous qui devons mourir. 메시아가 대신 죽으시겠구나. Mais c'est le Messie qui mourra à notre place. 그리고 그가 부활하시겠고 Et il sera ressuscité. 하나님은 아브라함에게 메시아가
가나안 땅에 오셔서 어디에서 죽게 되실 것을 정확하게 가르쳐 주셨습니다. Et Dieu il a montré à Abraham que le Messie va venir sur la terre de Canaan et où est-ce qu'il va mourir. Et le temps passe. 어느 날 다윗이 이스라엘 민족의 인구 조사를 해요. Un jour David il va dénombrer le peuple. 하나님이 이스라엘에 염병을 보내어서 많은 사람이 죽게 했습니다. Et ça a été un péché. Alors il a envoyé une maladie et que beaucoup sont morts. 괴로워하면서 예루살렘 성을 막 예루살렘 도시를 걸어 다녔습니다. Et David qui était très souffrant, il marche dans la ville de Jérusalem. 하나님, 백성이 뭘 잘못했습니까? 제가 잘못했지요. Oh Dieu, qu'est-ce que le peuple a fait? C'est moi qui ai fait cette erreur. 조사를 한 거 아닙니까? N'est-ce pas moi qui ai fait ce dénombrement? 한참 다니다가 Et il a marché. 거기 이제 여부스 사람 오르난이라는 사람의 타작 마당에 도착했을 때 Et lorsqu'il est arrivé dans l'aire d'Aravna, le Jébusien, 하나님의 천사가 창을 뽑아서 예루살렘을 심판하고 있는 걸 보았습니다. Et il a vu comment l'ange de Dieu avait pris son épée pour juger Israël. 심판하시는 장소가 어딘지를 깨닫게 되었습니다. Et ce qu'il a compris, c'était où Dieu menait son jugement. 다윗이 즉시 돈을 주고 그 땅을 사서 Alors David, il a donné de l'argent, il a acheté ce terrain. 서 있던 자리에 하나님 앞에 제단을 쌓고 제물을 바쳤습니다. Et là où l'ange était arrêté, il a monté un autel pour faire l'holocauste. 그리고 염병이 끝났습니다. Et le péché est pardonné et puis l'épidémie est partie. Nous allons voir 2 Chroniques chapitre 3. 역대하 3장 1절 읽어주세요. Nous allons voir 2 Chroniques chapitre 3. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David et son père dans le lieu préparé par David pour l'ère d'Ornan le Jébusien. Salomon이 예루살렘 모리아 산에 여호와의 전 건축하기를 시작하니. Alors Salomon, c'est où est-ce que il construit la maison de l'Éternel? 자, 하나 솔로몬이 무슨 산 위에다가 하나님의 전을 건축하죠? C'est sur la montagne de Morija. 모리아 산입니다. 그곳은 전에 여호와께서 그 아비 다윗에게 나타나신 곳이요 여부스 사람 오르난의 타작 마당에 다윗이 정한 곳이라. Donc qui avait été indiqué à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. 여러분, 여러분이 예루살렘 지도를 한번 보세요. Donc lorsque vous regardez la carte géographique de Jérusalem, 예루살렘은 산 위에 있는 도시예요. Jérusalem se trouve sur une montagne. 근데 여러분 지도를 잘 보시면 Mais quand vous regardez bien la carte, 예루살렘 도시에 있는 산의 이름이 산이 모리아 산이에요. Vous allez trouver que Jérusalem se trouve sur la montagne de Morija. 예수님은 모리아 산 어디에 있는 골고다 언덕에서 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Jésus-Christ est mort sur la vallée de Calvaire qui se trouve dans un certain point de Morija. 아브라함을 모리아 산 위로 보내셨어요. Dieu il a envoyé Abraham sur le mont Morija. 모리아 산에 있는 큰 바위 위에서 자기 아들을 바치려고 했어요. Et sur une grande rocher, il voulait tuer et offrir à Dieu son fils. Et c'est là où il a trouvé le bélier qui allait mourir à la place de son fils. Et il a remercié Dieu. Et Abraham, il a dit, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Mais où est la montagne de Dieu? C'est la montagne de Morija. C'est Jérusalem. 이 세상을 죄에서 구원하는 구원의 이 놀라운 일이 예루살렘 모리아 산에서 이루어질 거라는 것을 하나님은 아브라함에게 가르쳐 주셨던 것입니다. C'est que Dieu avait appris à Abraham que ce grand travail de salut du monde entier aura lieu sur la montagne de Morija. 다윗에게도 가르쳐 주셨어. Et il a également montré à David. 다윗의 아들 솔로몬은 그 자리 위에다가 성전을 지었습니다. Et Salomon, le fils de David, a construit la maison de Dieu sur cette place. C'est quelque chose d'extraordinaire. 정확하게 메시아가 가나안 땅 어디에 오셔서 십자가에 죽으실 것이라는 사실을 이미 보았습니다.
C'est que Abraham, il avait déjà vu le Messie viendra où? Sur la terre de Canaan, où est-ce qu'il va mourir? 그래서 그 구원이 이 산 위에서 이루어질 거라고 이야기했습니다. Et donc il a dit que le salut sera réalisé sur cette montagne. 다윗에게도 가르쳐 주셨어. Et c'est ce qu'il a de même montré à David. 그래서 예수 그리스도를 아브라함의 아들이라고 하고. Et c'est pour cela que il a appelé, on dit que Jésus-Christ est fils d'Abraham. 다윗의 아들이라고 합니다. Fils de David. 아브라함의 아들이라는 뜻은 무슨 뜻이죠? Alors quand on dit Jésus est fils d'Abraham, qu'est-ce que ça veut dire? 죄에서 구원하실 구세주라는 뜻이죠. Ça veut dire que c'est le sauveur du monde de ses péchés. 왜냐하면 천하 만민이 네 자손을 통해서 복을 받게 될 거라고 하셨고. Parce qu'il a dit que toutes les nations seront bénies par toi. 아브라함은 그 자기 자손으로 오실 메시아의 구속을 믿음으로 의롭다함을 입었습니다. Abraham, en croyant en la rédemption de Jésus-Christ qui va venir dans sa postérité, il a reçu le salut. 주님을 아브라함의 아들이라고 부르는 이유는 La raison pour laquelle on appelle Jésus fils d'Abraham 세상을 죄에서 구원해 주실 구세주라는 뜻을 가지고 있습니다. Cela veut dire le sauveur qui sauvera des péchés du monde. 예수님을 다윗의 아들이라고 부르는 이유는 Et la raison pour laquelle on appelle Jésus fils de David. 다윗의 마음속에 하나님을 위해 성전을 짓고 싶은 마음이 있어요. Dans le cœur de David, il avait le cœur de construire le temple pour Dieu. 사무엘하 7장에 나옵니다. 2 Samuel chapitre 7. 하나님이 다윗에게 이야기하셨어요. Et Dieu dit à David. 야, 네가 나를 위해 성전을 짓겠느냐? Tu veux construire le temple pour moi? 하늘이 나의 보좌야. C'est le ciel qui est mon trône. 이 땅이 내가 발을 올리는 발등상이야. Et la terre est mon marchepied. 내가 머물 수 있는 집을 인간이 만들 수 없어. Et l'homme ne peut pas construire la maison pour moi. 내가 누구에게 왜 너희들은 나를 위해 집을 안 짓느냐 그렇게 이야기한 적이 있었냐? Est-ce que vous avez vu entendre dire à quelqu'un pourquoi vous ne construisez pas de maison pour moi? 하늘이 나의 보좌고 땅이 나의 발등상인데 네가 나를 위해 어떻게 집을 짓냐? Alors que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied, et comment est-ce que tu pourras construire une maison pour moi? 야, 네 마음이 참 기특하다. Mais ton cœur est si bien. 네 몸에서 자식이 하나 태어날 거다. Il y aura un fils qui naîtra de toi. 그 자식이 나의 집을 지을 거다. C'est ce fils qui va construire ma maison. 나는 그 자식의 왕국을 영원한 왕국으로 만들어주겠다. Et je ferai de son royaume un royaume éternel. 그 자식의 자식들이 죄를 짓게 되면 Et lorsque ses enfants de cet enfant vont commettre le péché. 사울 왕에게서 성령을 빼앗았던 것처럼 은혜를 빼앗았던 것처럼 구원을 뺏지 않겠다. Et je ne veux pas le retirer le salut comme j'avais retiré mon esprit du roi Saül. 그들의 모든 죄를 씻고 J'effacerai tous leurs péchés. 설령 그들이 범죄할지라도 Et même s'ils commettent le péché, 내 은혜를 뺏지 아니하고 Mais je ne vais pas retirer ma grâce. 나는 그들의 아버지가 되고 그들은 나의 자손이 되어서 Je serai leur père et ils seront mes enfants. 내가 인생의 측직과 막대기로 징계하고 가르치겠다. Et je vais les enseigner et les punir pour les apprendre. 놀라운 약속을 하셨어요. Et il a fait une grande promesse. 그러면은 이 다윗의 아들은 누굽니까? Alors, qui est le fils de David? Solomon입니까? Est-ce Salomon? Solomon이 지은 성전이 영원합니까? Est-ce que le temple qu'a construit Salomon est éternel? Solomon의 왕국이 지금도 영원합니까? Est-ce que le royaume de Salomon est éternel jusqu'à aujourd'hui? 난 자식이 나를 위하여 집을 지을 거다. Et le fils qui naîtra de ta postérité va construire la maison pour moi. 왕국으로 만들겠다. Et je ferai de son royaume un royaume éternel. 솔로몬의 왕국이 지금도 존재합니까? Est-ce que le royaume de Salomon existe jusqu'à aujourd'hui? 솔로몬이 만들었던 성전이 지금도 존재합니까? Est-ce que le temple de Salomon existe jusqu'à aujourd'hui? 다 무너져버렸어요. Ils ont tous détruits. 그러면 그 다윗에게 말씀했던 네 몸에서 날 자식은 솔로몬이 아닙니다. Alors le fils qui naîtra de ta chair, ce n'est pas de David. Effectivement, ce n'est pas Salomon. C'était le Messie. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Jésus-Christ est venu sur la terre. 사람들의 죄를 위해 죽어주시고. Et il est mort pour le péché des gens du monde. 3일 만에 부활하셨어. Et trois jours plus tard, il est ressuscité. 부활하셨을 때. Lorsqu'il est ressuscité. 이 세상에 새로운 피조물을 하나 만드셨어. Et il a créé une nouvelle créature dans le monde. 이것은 첫 번째 창조에 속하지 않은 것입니다. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de la première
création, qu'est-ce que c'était? 교회였어요. C'était l'église. Que 옆구리에서 나온 피와 물에서 교회가 탄생했어요. Le sang et l'eau qui sort de l'ange de Jésus est formé l'église. 3장 16절에 Lorsqu'on voit 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 너희가 하나님의 성전인 것과 Tout comme vous êtes l'esprit de Dieu. 너희가 하나님의 성전인 것과 Tout comme vous êtes le temple de Dieu. 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느뇨. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? 거하는 곳이 바로 성전입니다. Donc le temple, c'est là où habite l'esprit de Dieu. 너희가 하나님의 성전인 것과 Mais ici on dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하. Et que l'esprit de Dieu habite en vous? 하나님이 다윗에게 말씀하신 영원히 무너지지 않는 성전은 And Tout comme ce que Dieu a dit à David, un temple qui ne s'effondrera jamais. 바위나 보석으로 만든 것이 아니고. Ce n'est pas quelque chose qui est construit en pierre ou. 그리스도의 피로 모든 죄를 씻음 받은 교회를 말하는 것이. Mais cela signifie l'Église qui a été complètement lavée par le sang de Jésus. 그의 영원한 성전입니다. C'est l'Église qui est son temple éternel. 만약에 그 아들들이 죄를 지으면 Si ses fils commettent le péché 내가 성령을 거두지 아니하고 Alors, il ne va pas reprendre le Saint-Esprit mais qu'il sera le père pour eux et qu'ils seront mes enfants 그러니까 막대기로 다스리고 가르치 내 뜻을 가르쳐 주겠다 Mais avec le fouet et le bâton, je les enseignerai 모든 죄를 씻음 받은 성도들이 모인 교회는 De l'église où les fidèles qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ sont réunis, puisque les fidèles ont le corps et qu'ils habitent dans ce monde, et ils peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent aussi commettre le péché. Mais Dieu dit qu'il ne reprendrait pas l'esprit. 내가 그들의 아버지가 되고 그들은 나의 자식이 되었기 때문에. Mais qui sera leur père et qui seront ses enfants? 내가 때리고 가르쳐서 징계하겠다고 하셨어. Alors il dit que je vais les frapper et je vais les juger et pour les enseigner. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 12. 하나님은 그 사랑하시는 증거가 받으시는 자마다. Donc ceux que Dieu reçoive. 징계하시나니. Qu'il les punisse. 죄가 없으면 사생자의 참여들이 아니므로 되었어. Et il est dit que, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils. Nous avons la chair et donc nous pouvons commettre des erreurs. 부족할 수 있어요. Nous pouvons avoir des défauts. 그렇다고 다시 죄인이 되는 게 아니라. Mais ceci ne veut pas dire que nous allons devenir pécheurs à nouveau. 성령이 그를 다스리고 징계해서 하나님의 뜻 앞으로 돌이키게 하겠다는. Mais c'est que il y a l'esprit de Dieu qui châtie et qui frappe pour qu'on repente. 영원한 구원을 주셨다라는. C'est qu'il a donné un salut éternel. 그래서 다윗의 아들이라고 부르는 것이. Et c'est pour cela qu'il a appelé fils de David. 교회를 세우셨기 때문에. Parce qu'il a établi l'église. 그 영원한 왕국을 세우셨기 때문에. Et qu'il a établi le royaume éternel. Alors, lorsque nous essayons de clarifier tout cela, 하나님은 아브라함에게 세상의 중심인 가나안 땅을 주셨어. C'est que Dieu a donné à Abraham Canaan, qui est le centre des nations. 아브라함의 가족을 이집트로 가게 해서 400년 동안 지내면서 한 민족이 되게 하셨어. Et il a envoyé la famille d'Abraham en Égypte, et en passant 400 ans, ils sont devenus une nation. 가나안 땅에 돌아와서 가나안 땅에는 이방 민족을 정벌하고 다스리고 하나님을 섬기는 왕국을 세우도록 하셨습니다. Et lorsqu'ils sont retournés à Canaan, ils ont battu toutes les tribus qui étaient qui servaient les autres idoles et ils ont construit le temple de Dieu. 사람의 죄를 씻어 줄 이 지식을 전파하는 나라가 되게 하기를 원하셨습니다. Et ils ont également voulu que ce soit un pays qui transmet la bonne nouvelle que le Messie va venir et qui va effacer tous nos péchés. 이것이 하나님의 뜻이었어요. C'était ça la volonté de Dieu. 그런데 하나님이 한 가지 하셔야 될 일이 있었습니다. Mais il y avait une chose que Dieu devait faire. 자, 이스라엘 백성을 이집트에서 나오게 하셨을 때
Et lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Égypte, 아브라함의 자식들이 이집트 땅에서 400년을 살았어요. C'est que les enfants d'Abraham, ils ont vécu en Égypte pendant 400 ans. 이스라엘 사람들이지만. Donc ce sont des Israélites. 문화적으로는 이집트 사람들이 되어버린. Mais culturellement, ils sont devenus tous égyptiens. 만약에 이런 상태로 그들을 가나안 땅에 들어가게 하면 Mais dans cet état, si lorsque Dieu les fait entrer dans Canaan, 그들은 가나안 땅에 유 이집트를 만들 겁니다. Peut-être qu'ils allaient former une nouvelle Égypte en Canaan. 혹시 자식들 중에서 미국에 이민 간 그런 자식들이 있습니까? Est-ce qu'il y a des enfants parmi il y a quelqu'un parmi vous qui ont des enfants aux États-Unis? 한 세대 두 세대만 지나면 자기 나라 말을 잘 못 하고. Donc si aux États-Unis s'il y a une génération, une deuxième génération, alors les enfants de la deuxième génération ne vont plus parler sa langue maternelle, ils vont perdre la culture d'eux-mêmes. 400년 동안 이집트에 살았어. Mais les enfants d'Abraham ont vécu 400 ans en Égypte. 오몬 아브라함의 자손인데. Alors que leur chair, c'est les enfants d'Abraham. 그들은 문화적으로, 종교적으로 거의 이집트 사람들이 되어버린 거. Mais culturellement et religieusement, ils sont tous devenus égyptiens. 이런 상태로 가나안을 가게 된다면 어떤 일이 일어날까요? Dans cet état, lorsqu'il entre en Canaan, qu'est-ce qui va se passer? 가나안에는 일곱 족속을 다 몰아내고. Est-ce qu'ils pourront chasser tous les quatre tribus qui sont à Canaan? 이집트를 건축하게 될 겁니다. Et ils formeront une nouvelle Égypte. 그들을 보낼 수가 없는 거예요. Et Dieu ne pouvait pas les envoyer en cet état-ci. 출애굽하고 석 달이 지났을 때. Trois mois plus tard, qu'ils sont sortis d'Égypte. 시내 광야로 왔습니다. Et ils sont venus vers le fleuve de Sinaï où il y avait le mont Sinaï. 법을 주실 필요성이 있었습니다. Dieu avait senti le besoin de leur donner la loi. 하나님이 누구인지를 가르쳐 주셔야 되겠다. Il devait leur montrer qui il était. 하나님의 당신을 가르쳐 주실 필요성이 있었던 것이. Il avait besoin de lui apprendre qui il était. 자, 그러면 율법은 하나님의 정신이에요. Alors la loi c'est l'esprit de Dieu. 우리가 하라 하지 말라는 법을 읽으면서 C'est qu'en lisant fais ceci ne pas faire cela. 하나님이 어떤 분인지를 우리는 이해하게 되는 것입니다. C'est que nous arrivons à comprendre qui est Dieu. 그분은 의롭고 거룩하신 분입니다. C'est qu'il est juste et qu'il est saint. 하나님 율법을 통해서 이스라엘 사람들에게 하나님을 가르쳐 주기를 원했습니다. Dieu à travers la loi et voulait montrer aux enfants d'Israël qui il était. 여기에 이제 사탄이 역사를 합니다. Mais là le diable il a travaillé. 이스라엘 사람들이 율법의 정확한 의미와 목적을 이해하고 받아들이는 게 아니고 Les enfants d'Israël n'ont pas compris exactement qu'est-ce que c'était la loi et quel était l'objectif. 마음을 속여 버렸어요. Mais le diable les a trompés. 그래서 율법을 지키려는 그 노력 속에 빠져들게 되는 거예요. Alors ils sont tombés profondément dans les efforts de respecter la loi. 아브라함에게 깊은 어둠이 왔다고 했죠. Et tout comme je vous ai dit, c'est qu'Abraham il était dans une profonde obscurité, n'est-ce pas? 어둠 속에 두려워했죠. Et qu'il tremblait de peur dans cette obscurité. 출애굽기 20장을 보겠습니다. Nous allons voir Exode chapitre 20. 20장 21절입니다. Exode chapitre 20 verset 21. 모세는 하나님이 계신 암흑으로 가까이가 아니라. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. 하나님이 지금 무엇 속에 계시다고 돼 있죠? Alors Dieu, il est où? 암흑 속에 있다고 돼. Il est dans la nuée. 이 암흑은 그 밤의 어두운 어두움을 말하는 게 아니에요. Mais ici cette nuée, ça ne parle pas de l'obscurité de la nuit. 하나님이 암흑 속에서 나타나셨어. Mais c'est que Dieu il est apparu dans l'obscurité. 그 이스라엘 백성과 거리를 가지고 나타나신 거. C'est que Dieu il est apparu dans l'éloignement du peuple. 위에 나타나신 하나님은 Et Dieu qui est apparu sur le mont Sinaï. 아브라함에게 나타나셨던 은혜와 자비의 하나님이 아니고 Ce n'était pas Dieu qui était apparu devant Abraham un Dieu de miséricorde. 하나님 재판장이신 하나님으로 나타나셨어. Mais Dieu de la justice, Dieu le juge. 이스라엘 백성은 아담의 자손이고 죄인들입니다. Les enfants d'Israël, ce sont les enfants d'Adam et ce sont des pécheurs. 하나님이 그 죄를 가지고 있는 백성 가운데 나타나실 때 거리를 유지해야 됩니다. Et lorsque Dieu apparaît au milieu de peuples qui ont le péché, c'est qu'il doit garder une distance. Sinon, il ne peut que les tuer.
그래서 시내 산 위에 낮이었지만 깊은 어두움 흑암이 임하고 Et c'est pour cela que sur le mont Sinaï, alors qu'il faisait jour, mais il y avait une nuée épais et noire. 번개가 치고 Et il y avait des éclats. 진동하고 Il y avait toute la montagne qui était en train de trembler. Il y avait des éclats de pierres partout. 거룩하신 하나님이 이 산 위에 나타나셨기 때문에 Dieu le Saint était apparu sur la montagne. 그래서 이제 암흑 속에 하나님이 아브라함에게 나타나셨고 Et Dieu est apparu devant Abraham dans une obscurité. 자, 손에 관한 이야기를 들으면서 두려워했던 것은 Et si Abraham avait eu peur en écoutant de sa descendance? 율법의 약속을 세우실 것을 암시해 주셨던 거죠. C'est parce que Dieu lui a révélé que il va leur donner la loi. 자, 그럼 하나님이 이스라엘 백성에게 왜 율법을 주셨을까요? Alors pourquoi est-ce que Dieu il a donné la loi aux enfants d'Israël? 하나님을 알게 하기 위해서. Afin qu'ils connaissent Dieu. 여러분이 율법을 지키려고 읽지 말고 하나님을 알기 위해서 읽어보면 율법을 통해서 하나님의 성품을 정확하게 알 수 있습니다. Si vous lisez la Bible pour ne pas respecter la loi mais pour connaître Dieu, alors vous pouvez connaître précisément de Dieu. 율법을 주셔서 이스라엘 백성들에게 당신을 가르쳐 주셨습니다. Dieu il a donné la loi aux enfants d'Israël et il a montré qui il est. 거룩한 하나님. Dieu le saint. 의로운 하나님. Dieu le juste. 죄에서 떠나 계신 하나님. Dieu qui est loin du péché. 자, 두 번째 율법의 목적은 뭐냐? Et quel était le second objectif de la loi? 아담의 자손인 그 이스라엘 사람들이 하나님의 법을 과연 다 지킬 수 있을까요? Israélites qui sont descendants d'Adam, est-ce qu'ils peuvent vraiment respecter toute la loi? 인간이 하나님의 법을 지킬 수 있을까요? Est-ce que l'homme pourrait respecter toute la loi? 죄인이 하나님의 법을 지킬 수 있겠습니까? Est-ce que les pécheurs ils peuvent respecter la loi? 그럼 율법은 하라, 하지 말라 이렇게 되어 있습니다. Alors que dans la Bible il est dit de faire ceci, ne pas faire cela. 사람들이 율법을 지키려고 애쓰면 분명히 못 지켜야 될 거예요. Alors si les gens ils essaient de respecter la loi, c'est que c'est sûr et certain qu'ils n'y arrivent pas. 하나님 율법을 주신 것은 율법을 통해 첫 번째 하나님을 알게 되고 Si Dieu leur a donné la loi, c'est pour qu'ils puissent découvrir Dieu tout d'abord. 두 번째는 이미 우리가 죄에 빠져 있어서 우리의 힘으로는 하나님 앞에 의로워질 수 없는 것을 깨달았어. Et Dieu a de même montré que nous sommes déjà profondément dans le péché et que nous ne pouvons pas en sortir tout seuls. 그들이 자기의 행위로 하나님께 나오려는 마음을 포기하고 Et donc afin qu'ils abandonnent le cœur de tout faire par leurs propres œuvres 은혜를 구해서 et qu'ils demandent la grâce de Dieu 메시아가 이 땅에 오셨을 때 et que lorsque le Messie arrive sur la terre 이들의 행위로 의로워지려고 하는 게 아니라 mais qu'ils n'essayent pas de devenir justes par leurs propres efforts. Et ils ont compris qu'ils ne peuvent pas être justifiés par leurs propres efforts. Et donc, ils demandent la grâce de Dieu. Et en acceptant le Messie et en croyant, 의로워지게 되게 하기를 원하셨던 것입니다. Dieu a voulu qu'ils deviennent justes. 자, 세례 요한이 이 땅에 왔을 때 Lorsque Jean-Baptiste est arrivé sur la terre 이스라엘 백성들이 뭐라고 했죠? Qu'est-ce que les enfants d'Israël ils ont dit? 독사의 자식들아 Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vous les enfants des serpents vous êtes 회개해라 Vous devez vous repentir 너희가 율법을 지켰다고? Vous dites que vous avez respecté la loi? 거짓말하지 마라 Non, arrêtez de mentir. 너희들은 다 율법을 어겼어. Vous avez tous violé la loi. 독기가 나무 뿌리에 이미 놓여져 있어. Il y a déjà. Vous devez vous repentir. 메시아가 오고 계신다. Il y a le Messie qui va vous sauver va venir. 너희들에게 물로 세례를 주지 마. Moi, je suis en train de vous donner le baptême par eau. 주시고 너희에게 성령의 세례를 주실 거야. Mais lui, il va effacer tous vos péchés et il vous donnera le baptême par le Saint-Esprit. Et donc, il a demandé la repentance. Mais le diable a travaillé. 이스라엘 백성들의 마음속에 율법의 참된 목적대로 율법을 쓰지 못하도록.
afin que les enfants d'Israël ne puissent pas utiliser la loi telle que son objectif. Pour, et il a insufflé dans le cœur des Juifs qui peuvent le faire. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël, ils ont promis à Dieu. 출애굽기 19장에 보면 Lorsque nous voyons dans Exode chapitre 19, 부족해서 제가 찾지 않겠... nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vraiment chercher. 출애굽기 19장 7절, 8절, 24장 3절을 보면 Lorsque je vois Exode chapitre 19, versets 7 et 8, et puis chapitre 24, et Dieu demande aux enfants d'Israël deux fois. 정말 이 법을 다 지킬 수 있겠냐? Et il a demandé, est-ce que vous pouvez vraiment respecter toute la loi? 뭔 물어보시는 줄 아세요? Vous savez pourquoi Dieu a demandé deux fois? 하나님은 그들이 이걸 지키지 못할 것이라는 것을 알고 계셨어. C'est qu'il savait que les enfants d'Israël ne pouvaient pas respecter la loi. 율법은 613개로 구성되어 있어. Dans la loi, il y a 613 lois. 율법을 크게 세 동강으로 쪼개면 Et puis on peut faire 계명과 규정과 제사법으로 나눠져 있어. Et lorsqu'on on différencie les trois types différents de la loi, c'est qu'il y a les commandements, il y a les règles, et puis il y a la loi du sacrifice. 이제 율법은 613개로 구분이 되는데. Et il y a au total 613 articles, si on peut le dire. 248개는 우리가 해야 되는 의무에 관한 이야기를 하고 있습니다. Et 248 parle des commandements, c'est-à-dire ce qu'on doit faire. 365개는 해서 안 되는 금지에 관한 이야기를 이야기하고 있어요. Et les 365 autres parlent des interdictions. 율법은 우리가 매일 날마다 절대로 지킬 수 없어요. Et nous ne pouvons pas respecter la loi tous les jours. 출애굽기 여러분이 보시면 Et quand vous voyez dans le livre d'Exode, 관한 이야기는 출애굽기 20장에서 24장까지 다섯 장을 이야기하셨어요. Donc la loi elle est dite dans le livre d'Exode du chapitre 20 jusqu'au chapitre 24. Sur cinq chapitres. 성막의 디자인과 제조법에는 출애굽기 25장에서 31장. Mais pour parler du tabernacle, on parle de Exode chapitre 25 jusqu'au chapitre 31. 35장에서 39장. Puis de chapitre 35 au chapitre 39. 총 12장을 하나님이 쓰셨어요. Et c'est sur 12 chapitres Dieu en a parlé. 율법을 설명하는 데는 다섯 장을 쓰셨고 Alors il a utilisé 5 chapitres pour parler de la loi. 설명하는 데는 12장을 쓰셨습니다. Il a consacré 12 chapitres pour parler du tabernacle. 이것만 봐도 우리가 하나님의 마음의 비중이 어디에 있는지를 알 수 있어요. Et lorsqu'on ne voit que ça, on peut se rendre compte qu'est-ce qui est la partie la plus importante pour Dieu. 율법을 받을 때에 Lorsque Moïse il a reçu la loi sur le mont de Sinaï, 하나님의 마음의 비중은 성막에 더 많이 가 있었어. On peut voir que le cœur de Dieu se dirigeait plutôt vers le tabernacle. 율법을 지키지 못할 것을 알고 계셨기 때문에. Parce que Dieu il savait déjà que les enfants d'Israël ne pouvaient pas respecter la loi. 자, 모세가 40일이 지나오는 다음에 이제 율법을 받아서 내려오는데. 40 jours plus tard, Moïse a reçu la loi et il descend de la montagne. 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 놓고 우상 숭배를 하고 있었어. Les enfants d'Israël avaient formé un veau d'or, un idole, et étaient en train de l'adorer. 신을 섬기지 말아라. Alors que Dieu a dit de ne pas adorer autre dieu que moi, ne faites pas des idoles pour vous. 신을 섬기지 말아라. Ne faites pas des idoles pour vous. 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 마. Et n'appelez pas le nom de l'Éternel en vain. 이계명, 상계명, 사명 중요한 계명들을 다 어겨버렸어. Donc là, les enfants d'Israël ont violé tous les commandements les plus importants. Alors qu'il n'est resté que 40 jours seulement, qu'ils ont dit que nous allons respecter toute la loi. Et ils l'ont promis deux fois devant Dieu. Et puis, ils n'ont passé que 40 jours de plus. Mais ils ont violé article 1, 2, 3, 4 de commandement. 음란한 춤을 추면서 그들이 제사를 지내고 있었어. Alors, devant cette idole, ils étaient en train de danser de manière très indécente. 돌판을, 십계명 돌판을 깨뜨려버려요. Alors là, Moïse, il brise les deux tablettes de la loi. 돌판을 깨뜨려버리죠. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a brisé? 왜 이 십계명 돌판이 살아
그대로 보존돼 있으면 이스라엘 민족은 이제 다 죽어야 되는 거예요. Parce que si ces tables de pierre sont là, c'est que les enfants d'Israël doivent tous mourir. 율법은 지키면 복 받고. Parce que si on respecte la loi, c'est qu'on est béni. 못 지키면 저주를 받는 거예요. Mais lorsqu'on n'arrive pas à respecter, c'est qu'on est maudit. 왜 모세가 돌판을 깨뜨리 버리죠? Et pourquoi ici Moïse il brise les deux tablettes? 율법대로 하나님이 심판하면 이제 이스라엘 민족은 지구에서 사라져야 되는 거예요. Donc, parce que si on juge les enfants d'Israël selon la loi, c'est qu'ils doivent périr de la terre. Et donc, il a brisé les deux tablettes. Mais ceci n'assurait pas le cœur de Moïse. C'est-à-dire que ce n'était pas suffisant. Ah, j'ai brisé les deux tablettes, mais la loi, elle existe toujours. Et donc, Moïse, il a ordonné. 지금이라도 기회를 줄 테니까 너희 중에 여호와께로 오고 싶은 사람은 내게로 와. Je vous donne la chance maintenant. S'il y a quelqu'un qui voudrait revenir à Dieu, vous pouvez venir à moi. 레위인들이 모세에게 왔어. Et ce sont les Lévitiques qui sont venus vers Moïse. 칼을 빼서. Et prenez vos épées. 자, 지금 이쪽 문부터 저쪽 문까지 문을 지켜라. Alors vous allez protéger la porte d'ici de ce côté jusqu'à l'autre. 한 명도 도망가지 못하게 하고 Et afin que personne ne s'y échappe. 우상을 섬긴 자는 다 죽여라. Et vous allez tuer tous ceux qui ont adoré l'idole. 율법이 이 세상에 내려온 날 Le jour où la loi est arrivée sur la terre. 3000명의 이스라엘 사람들이 죽임을 당했어. 3000 Israélites sont morts. 자, 모세가 3000명을 죽여 버렸어. Moïse a tué 3000 personnes. 왜 3000명을 죽였죠? Mais pourquoi est-ce qu'il a tué 3000 hommes? 그들이 죄를 지었기 때문에. Parce qu'ils ont commis le péché. 근데 3000명만 우상 숭배했습니까? Mais est-ce que les 3000 seuls ont servi? 이스라엘 민족 모두가 죄를 지었습니다. Les idoles? Non, tout Israël a servi. 원래대로 다 죽여야 돼요. Et ils ont commis le péché. Et normalement, ils devaient tous mourir. 그럴 수 없었기 때문에 3000명을 죽인 거예요. Mais puisque ceci n'était pas possible, donc ils ont tué que 3000 hommes. 모세가 3000명을 죽이고 난 다음에 Après que Moïse ait tué 3000 hommes, 마음이 너무너무 어려웠어. Son cœur était si triste. 자, 이 이야기는 출애굽기 32장에 나오는 이야기. C'est l'histoire que vous allez lire, Exode chapitre 32. 3000명을 죽이고 난 다음에 Après qu'il ait tué 3000 hommes, 다음 날 아침입니다. Le lendemain matin. 내가 여호와의 산에 올라가겠다. Ah, je vais monter à la montagne de Dieu. 내가 하나님께 기도하겠다. Je vais prier Dieu. 하나님이 혹시 너희들의 죄를 씻어 주실까? Si Dieu efface vos péchés. 모세가 3000명을 죽였는데. Moïse a tué 3000 hommes. 이스라엘 백성의 죄가 씻어졌다는 확신이 그 마음에 없었습니다. Mais il n'avait pas vraiment l'assurance que tout le péché des enfants d'Israël était effacé. 왜냐하면 율법에는 율법을 어긴 자는 다 죽어야 되기 때문에. Parce que selon la loi, tous ceux qui n'ont pas respecté la loi doivent être tués. 기도하겠다. Et donc il a dit, je vais aller prier Dieu. 그들의 죄를 씻어주실까? Si Dieu efface vos péchés. 그때 하나님 뭐라고 말씀하신 줄 아세요? Et vous savez qu'est-ce que Dieu il a dit? 출애굽기 32장 34절을 한번 봅니다. Nous allons voir Exode chapitre 32 verset 34. 읽어주세요. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. 하나님 모세에게 두 가지 이야기를 하십니다. Et Dieu il a dit deux choses. 내가 이제 너희들하고 같이 안 갈란다. Ah non, moi je vais pas venir avec vous. 내가 천사를 한 명 보낼게. Mais je vais envoyer un ange. 난 너희들하고 같이 갈 수가 없어. Parce que moi je peux pas marcher avec vous. 그리고 오늘은 내가 넘어가지만 너희들이 지은 죄 때문에 내가 반드시 내가 심판할 거야. Mais aujourd'hui je vous laisse, mais un jour je les punirai de leur péché. 3000명 죽였는데 하나님이 너희들 죄가 씻어졌다고 말씀하십니까? Alors que 3000 hommes sont morts, mais est-ce que Dieu dit que vos péchés sont effacés? 아니었어. Non. 내가 이 죄를 반드시 심판할 거야. Je vais vous punir pour le péché. 그들의 죄가 씻어졌다고 말씀하지 않습니다. Et Dieu ne dit pas que leurs péchés sont effacés. 같이 가겠다고 말씀하시지 않습니다. Il ne dit pas que il viendrait avec eux. 모세가 막 울면서 하나님 앞에 기도합니다.
Alors Moïse, en pleurant, il a prié Dieu. 하나님이 우리와 함께 안 가시면 안 됩니다. 함께 가셔야 됩니다. Ah non, Dieu, il faut que tu viennes avec nous. 하나님이 이야기를 설명을 해주세요. Mais Dieu, il explique. 야, 내가 너희들하고 함께 갈 수가 없어. Ah non, moi, je ne peux pas venir avec vous. 너희들은 목이 굳은 백성이기 때문에. Parce que vous êtes un peuple qui a un cou raide. 율법을 어기게 될 거야. Et vous allez encore violer la loi. 약속은 이미 만들어졌어. Et la promesse de la parole est déjà faite. 걱정스럽다. Et j'ai peur que je vous tue tous sur le chemin. 나는 죄인을 용납할 수 없어. Parce que moi, je ne peux pas accepter les pécheurs. 그래도 우리하고 가셔야지요. Ah non, il faut que tu viennes de même avec nous. 오셔서 내가 너희들과 함께 가겠다고 말씀하셨어. Et Dieu, il a changé et il a dit que je vais venir avec vous. 조건이 하나 있다라는. Mais il a dit qu'il y a une condition. 빨리 신의 산에 올라와라. De monter rapidement sur le mont Sinaï. 틀렸으니까 이제는 네가 돌판 두 개를 깎아서 와. Et comme tu as cassé les deux tablettes, tu vas refaire les deux tablettes et revenir. 내가 만든 돌판을 네가 깨뜨렸으니까 네가 돌 두 개를 깎아서 올라와야 돼. Tu dois, puisque tu as cassé les deux tablettes que j'ai faites, donc tu dois refaire toi-même et que tu remontes rapidement au mont Sinaï. Et qu'est-ce que Dieu il a fait sur le mont Sinaï? 다시 율법을 적어주셨지만. Il a réécrit la loi. 성막을 짓는 것을 가르쳐 주셨어요. Mais il lui a montré comment faire le tabernacle. 자, 이것이 성막의 그림입니다. Et ça, c'est l'image du tabernacle. 성막은 길이가 100규빗이에요. Donc la longueur fait 100 coudées. 한 규빗은 45cm에서 한 48cm, 50cm 정도 되는데. Donc un coudée c'est environ 45 à 50 cm. 우리가 계산을 좀 편안하게 하기 위해서 한 규빗을 50cm로 잡으면 Pour faciliter les calculs, si on prend un coudé comme 50 cm. 자, 길이가 100규빗이니까 메터로는 50m가 됩니다. 50m. Alors puisque c'est 100 coudées, donc ça fait 50 m. 50규빗이니까 메터로는 25m가 됩니다. Et comme la largeur fait de 50 coudées et donc 25 m. 약 50m의 길이 Donc sur 50 mètres environ, 약 25m의 폭, sur 25 mètres de largeur et 5 coudées de hauteur, 곱하기 5니까, 50 fois 5, 미터로는 약 2m 50쯤 되죠. Donc ça fait environ 2,5 mètres. 빨리 성막을 만들어야 돼. Moïse, il faut que tu fasses rapidement le tabernacle. 이스라엘 백성들은 율법을 반드시 어기게 돼 있어. Les enfants d'Israël vont aussi encore violer la loi. Et moi, je ne peux que vous tuer. 이들이 만약에 죄를 짓고 난 다음에 Si vous, après avoir commis le péché, 성막에 와서 속죄 제사를 드리면 Et que vous offrez le sacrifice pour le péché dans le tabernacle, vos péchés seront effacés. 내가 너희와 함께 있을 수 있고 Alors, je peux rester avec vous. 너희는 나와 함께 있을 수 있다. Et vous serez avec moi. 그래서 성막을 만들게 하신 것이었어요. Et c'est comme ça que lui, il a demandé, il a fait de sorte qu'on construise le tabernacle. 동영상 한번 보겠습니다. Voici, nous allons voir une vidéo qui présente le tabernacle. 동 nous voyons le tabernacle depuis l'arrière. Donc 25 mètres. Lorsqu'on ouvre la porte et qu'on entre, alors le premier ustensile qui attend, c'est l'autel. C'est là où on fait le sacrifice pour le péché. Et en second, on rencontre le cuve d'airain, là où le sacrificateur lave ses mains et ses pieds. Et lorsqu'on ouvre les rideaux et qu'on entre dans le lieu saint, et vous voyez ici le chandelier, vous voyez ici les chandeliers avec 7 calices, et puis ici vous allez voir la table de l'encens. Et de l'autre côté, on a vu la table de pain, des propositions.
Donc ça, c'est la table de pain de proposition pour les 12 tribus. Donc ici, il y a l'autel des encens pour pouvoir donner de l'encens à Dieu. Donc ici, c'est le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance qui représente Dieu. Ça, c'est l'arche de l'alliance qui est le plus important. Et lorsqu'on ouvre l'arche, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et la couverture est appelée le propitiatoire. À l'intérieur, il y a le bâton de Aaron. Et puis, il y a les tablettes de la loi, les témoignages. Et puis, il y a un pot qui contenait de la manne. Ce sont les trois choses qui se trouvent dans l'arche de l'Alliance. Donc, nous avons vu très rapidement et brièvement l'image du tabernacle. Alors, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Pourquoi 3000 sont morts? 율법이 이스라엘에 내려오는 날 3000명이 죽은 이유가 뭡니까? Quelle est la raison pour laquelle 3000 sont morts le jour où la loi est descendue? 금송아지를 만들어서 우상 숭배를 했기 때문에? Est-ce que c'est parce que les enfants d'Israël ont formé un veau d'or? 그들이 죄를 지었기 때문에 죽임을 당했습니까? Est-ce qu'ils ont été tués parce qu'ils ont commis le péché? 예, 그것도 맞는 답입니다. Oui, ceci pourrait être une réponse. 그러나 정확하게 맞는 답은 아닙니다. Mais ce n'est pas la réponse exacte. 율법이 이스라엘 땅에 내려온 날 3000명이 죽은 이유는 La raison pour laquelle le jour où la loi est arrivée, 3000 hommes sont morts, 죄를 짓고 난 다음에 c'est que lorsqu'ils ont commis le péché, 그 죄를 사함 받을 수 있는 속죄의 제사를 드릴 수 있는 성막이 없었기 때문입니다. Ils n'avaient pas le tabernacle où ils pouvaient expier leurs péchés. 그들이 죄를 사함 받으러 나아갈 수 있는 성막이 없었기 때문에. Parce qu'il n'y avait pas le tabernacle où ils pouvaient effacer leurs péchés. 그들은 하나님께 벌을 받고 죽임을 당할 수밖에 없었어. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient qu'être tués et être punis. 하나님이 이스라엘 백성과 동행하시기 위해서는 Pour que Dieu puisse accompagner les enfants d'Israël, 반드시 성막이 필요했습니다. Il fallait absolument le tabernacle. 성막은 이런 흰색 천으로 벽이 만들어져 있어요. Tout comme vous pouvez voir ici, il y a les voiles qui sont faits en fin lin d'or blanc sur 50 mètres de large, 25 mètres 됩니다. De longueur et sur 25 mètres de large. 동쪽에 길이가 10 mètres 정도 되는 화려한 문이 있습니다. Et il y a une porte de très belle qui est à l'est, qui est sur 10 mètres. 흰색 이 세마포 기장은 뭘 의미할까요? Alors, qu'est-ce que représente ce voile en fin lin d'or? 자, 여러분이 이스라엘 백성이라고 한번 생각해 보세요. Disons que vous êtes des enfants d'Israël. 40년 동안 사막의 길을 여행합니다. Qui voyage pendant 40 ans dans le désert? 이스라엘 백성 자주 마실 물이 없어서 고통. Les enfants d'Israël ont souvent souffert parce qu'ils n'avaient pas de l'eau à boire. 마실 물도 없는데 그들이 옷을 빨고 텐트를 빨 물이 어디 있었겠어요? S'ils n'ont même pas de l'eau à boire, est-ce qu'ils auraient vraiment de l'eau pour laver les habits et pour laver les voiles? 더러운 옷을 입고 있었고. Les enfants d'Israël ont porté tous des habits sales. 그들의 텐트는 더러웠습니다. Et leurs tentes aussi étaient sales. 텐트 색이 어둡게 돼 있는데요. Et vous pouvez voir que ici la couleur du tente sont sombres. 이유가 있는데 그것은 제가 시간 관계상 설명을 못 드릴 것 같습니다. Et il y a une autre raison pour laquelle les tentes sont sombres, mais ça, je ne pourrais pas vous expliquer à cause du manque de temps. Mais ils étaient habillés en habits sales. 어둡고 더러운 텐트 속에 사는 이스라엘 백성들이. Et les enfants d'Israël qui habitaient dans les tentes qui étaient sombres et sales. 텐트에서 나와서 그들의 진 중앙에 있는 성막을 바라보았을 때.
Quand ils sortent de leur tente et regardent le tabernacle qui est au centre du camp, 속에 있는 이 성소의 지붕에 낮에는 구름 기둥 et sur sur le tabernacle pendant la journée il y avait la colonne de nuée et la nuit il y avait la colonne du feu. 하나님의 임재하심을 보여주는 것. C'est comme ça qu'il montrait la présence de Dieu. 이스라엘 백성이 첫 번째 나오면서 하나님의 임재하시는 그 기둥을 받겠죠. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent, ils voient la présence de Dieu sous la colonne. 집을 쳐다볼 때. Et lorsqu'ils voient la maison de Dieu, 신 벽으로 돼 있는. Qui est en blanc. 저 그들이 느꼈 어떤 느낌을 받았을까? Et qu'est-ce que eux ils auraient senti? 하나님은 거룩하시구나. Dieu est saint. 우리는 죄인이야. Nous sommes pécheurs. 우리는 죄로 물들어 있어. Nous sommes plein de péchés. 아마 이런 것을 느꼈을 겁니다. C'est ce qu'ils auraient compris. 제가 이제 어떻게 해야 될지 잘 모르겠습니다. Et là, en fait, je suis un peu perdu. 이제 성막까지 왔는. Parce que on est vraiment arrivé à la porte du tabernacle. 여기서부터 설명을 해야 되는데. Et c'est normalement c'est là que je dois commencer à expliquer. 다 됐어. Mais il est l'heure. 이 주제는 이제 구약 시대의 성막을 통해서 비추어 보는 현대인의 신앙입니다. Alors que le thème c'était découvrir la vie spirituelle moderne à travers le tabernacle. 성막의 배경을 여러분에게 설명하는 데 시간이 많이 필요해요. Mais j'avais besoin de beaucoup de temps pour vous expliquer le contexte du tabernacle. 이제 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨어. Alors Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. 하나님을 알게 해 주기 위해서. Pour leur montrer Dieu. 또 그들이 그들의 행위로 하나님 앞에 의로워질 수 없는 것을 알게 해서. Et afin qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas par leurs œuvres qu'ils peuvent être purs. 이제는 마음을 버리고. Et donc ils ont abandonné leur pensée de devenir purs par eux-mêmes. 은혜를 구해서. Mais ils ont demandé la grâce de Dieu. 메시아가 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 씻어줄 그 지식을 듣고. Et ils ont reçu cette connaissance qui dit que le Messie viendra pour effacer nos péchés. Et en y croyant, ils ont reçu la justice. 그 복음의 지식을 온 세상에 전파하는 제사장 나라가 되게 하고 싶으셨어. Et Dieu voulait qu'il soit le pays des sacrificateurs qui rend cette parole, qui publie cette parole dans le monde entier. Mais il y a le diable qui travaillait. 할 수 있다라는 마음. Qui a donné au peuple d'Israël le cœur qu'ils peuvent faire. 율법의 행위를 의지하는 마음. Et le cœur de considérer les œuvres de la loi. 민족과 동행하시기 위해서는 Dieu, afin qu'il puisse accompagner les enfants d'Israël, 성막이 꼭 필요했습니다. Il fallait absolument le tabernacle. 성막은 하나님의 거룩한 집이고 Parce que le tabernacle, c'est la maison sainte de Dieu. 거룩한 집이 이스라엘 백성의 정중앙에 있어서 Et cette maison sainte de Dieu se trouvait au centre du peuple d'Israël. Et aucun péché ne pouvait entrer dans sa maison. Et Dieu, il était au centre de cette maison. 사람들이 죄를 지을 때 이 집으로 와서 죄 속죄의 제사를 드리게 했던 것입니다. Et quand les gens ils commettent le péché, Dieu a fait de sorte qu'ils viennent dans cette maison pour offrir le culte. 예, 오늘은 제가 여기까지 설명해야 될 것 같습니다. Je pense que je devrais m'arrêter là. 기회가 된다면 다음에 이어서 이야기하겠습니다. Et si nous aurons de nouvelles occasions, je continuerai la prochaine fois. Je vais prier. 하나님 아버지 감사합니다. L'Éternel Dieu, je te remercie. 성경은 하나님의 놀라운 계획으로 기록되어져 있습니다. La Bible est écrite par de miraculeux plans de Dieu. 하나님은 이스라엘 백성에게 성막을 만들게 하셨고 Tu as ordonné aux enfants d'Israël de construire le tabernacle. 그들이 율법을 지켜서 의로워질 수 없기 때문에. Parce qu'ils ne peuvent pas devenir justes en respectant la loi. 속죄의 제사를 드려서 의로워지게 하셨고. Et donc tu as fait de sorte que ils puissent être justifiés par les sacrifices pour le péché. 어떻게 우리의 모든 죄를 씻어 주실 것을 정확하게 보여 주셨습니다. Et de même, tu as montré comment Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, il effacera le péché de du monde. 유럽의 각국에서 오신 동역자님들과 말씀으로 교제할 수 있어서 감사합니다. Je suis très reconnaissant de pouvoir partager la parole avec mes confrères de l'Europe. ICLF 성경 공부를 축복해 주시고. Que tu bénisses cette étude biblique à travers le CLF. 성경을 펴고 함께 공부하고 생각하는 동안.
Et pendant que nous ouvrons la Bible et que nous discutons ensemble, 하나님의 성령이 우리 가운데 나타나셔서 que le Saint-Esprit de Dieu apparaît au milieu de nous. 먼저 우리 마음속에 정확한 구원의 확신을 심어 주시고 pour donner d'abord l'assurance exacte du salut. 하나님이 이 귀한 일에 우리를 부르신 그 부르심의 확신을 주셨어. Et que nous ayons l'assurance de la vocation que Dieu nous appelle. 서서 설교할 때 Et que lorsque nous nous tenons devant l'Église, 죄로 인해 고통받는 사람들이 정확하게 그 죄에서 벗어나서 예수 그리스도의 피로 죄를 삼받고 구원으로 인도할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Et que lorsque nous prêchons, les gens qui ont le péché soient libérés de leur péché par le sang de Jésus-Christ et qu'ils reçoivent le salut. 참된 복음이 전파되진다면. Et que lorsque le véritable évangile qui libère les gens de leur péché sont prêchés à travers les églises. Que tu bénisses nos ministères et que tu fasses grandir notre Église. 하나님 앞에 감사를 드립니다. Je te rends gloire. 유럽을 축복해 주시고. Que tu bénisses Europe. 유럽에서 수고하면서 복음을 전하는 모든 목사님들과 리더들을 축복해 주시옵소서. Que tu bénisses tous les pasteurs et les leaders chrétiens qui travaillent pour l'Évangile. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 감사합니다. Merci beaucoup.